Je me présente, Didier, donc c'est moi qui ai les studios DGD dans lesquels les Fortune Tellers viennent répéter très régulièrement. Et alors, il se trouve que pour moi qui est un fan des Stones depuis l'âge de 13 ans, donc ça fait quelques années, hein, c'est un réel plaisir d'avoir les Fortune Tellers qui sont pour moi le meilleur tribute Rolling Stone. Et quand je ferme les yeux, j'ai vraiment l'impression d'avoir mes Rolling Stones à la maison. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et ça fait d'autant plus plaisir que j'ai déconfiné depuis le 11 mai et de retrouver toute cette équipe. Voilà, c'est un vrai kiff. Et je les remercie beaucoup. Voilà. C'est long, hein, 2 mois. 2 mois sans faire de bruit. Enfin, c'était bon, là, retrouver les potes, là, retrouver le Fortune Teller, se mettre dans une pièce. Ce qui manque, c'est un peu de décibels et puis de l'horizon, des concerts à venir et tout. Alors, pour l'instant, on fait le dos rond. Un truc qui a été top, c'est de faire nos petites vidéos, là. Franchement, un grand plaisir. Mais faites-moi passer à tous les ans, les mecs. Hein. Les Chinois, là, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. C'était une bonne punition, mais pas deux. Hein. Merci. Le confinement, super. Mais alors le déconfinement, je dirais même la déconfiture, mais encore plus super. Franchement, un os. Quoi dire de plus? J'avais vu une chose tout à l'heure, mais je me rappelle plus ce que c'était. Bon, bah, écoutez, voilà, je crois qu'on va arrêter là. Savoir mon lapin. Comment ça s'est passé ce confinement? Pour moi, très bien. En tout cas, au début, le temps de faire du ménage. Ménage dans la tête. Changer les cordes des guitares. Régler un peu le matériel. Préparer de nouvelles chansons. Puis sur la longueur, c'était un peu longuet, quoi.
Du coup, je suis ravi de retrouver les Fortune Players. Ça, pour lui, c'est un jeune enfant, normalement. Ouais, c'est la joie. C'est la joie. La sortie de confinement, c'est rock. Et puis, c'est les fortunes, quoi. C'est l'amitié, c'est l'énergie, c'est bon, quoi. C'est super bon. Faire de la batterie, c'est difficile pour tous les batteurs. Et j'ai la chance d'avoir un voisin qui m'a prévenu qu'il entendait, mais qui a accepté complètement le fait d'entendre jouer à des heures raisonnables, bien sûr. Donc j'ai pu faire un clip avec mes copains, les Fortune Tellers. Et voilà, le confinement, c'était une partie de notre vie qu'on mettra dans une parenthèse, hein, et pour les musiciens et pour les autres. Et puis j'espère qu'on va rebondir surtout. Qu'on va avoir du boulot, qu'on va vraiment faire beaucoup de musique, parce que vous, je ne sais pas, mais moi j'ai la rage. Et j'ai vraiment la rage et la patate pour pouvoir m'exprimer sur ma caisse. Voilà. Le temps passé, en fait. Moi, je dis vive le confinement. Voilà ce que je peux dire, les confinements. Ça m'a pas trop posé de problème. Je dis pas que je resterai confiné toute l'année, mais franchement, 2 mois, 3 mois, c'est parfait. Voilà.
Et ben, les Fortune Tellers, on vient de se retrouver, c'est cool. Et puis on a fait des projets ensemble, les clips. Là. C'était l'occasion de chanter dans ma baignoire. On avait fait faire des conneries quand même. Mais c'est cool, ouais, je pensais au clip des Beatles, à rendre des trucs un peu marrants, un peu intéressants. Oh, c'était chouette. Waouh, 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 waouh. Bah écoute, c'était une super répète. Super, je sais pas, mais en tout cas, il y avait du plaisir, je crois, au niveau du son. On a eu juste, quoi. Moi, en tout cas, j'ai eu juste un petit peu de mal tout au début, mais après, extra. Et puis, on a défloré Living on the Ghost Town. Voilà, donc très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a fait un Can You Hear Me Knocking. Une pure merveille, un Street Fighting Man qui sonnait l'enfer, et puis quelques rocks. On a hâte de venir vous voir jouer devant vous, en tout cas. Allez, ciao, à bientôt. Bye bye. Come on, I'm the poor man in the valley where I face full of mud.